tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter les livres de coloriage d'une illustratrice pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. L'illustratrice Linda Ravenscroft. Alors je l'ai découvert en fait sur des chaînes YouTube de coloriage étrangères et je ne l'ai jamais croisée, aucune présentation, rien sur les chaînes de coloriage françaises. Et pourtant, je trouve qu'elle a vraiment un univers particulier. Elle a sa patte dans les dessins. Et je ne vous comprends pas pourquoi on ne la voit pas un petit peu plus circuler. Ses dessins sont en grayscale. Pour ce qui est des livres, ils sont à spirale. Bien sûr, un super papier. C'est cartonné. Les feuilles sont exactement comme la couverture, mais non glacées. Donc, vraiment une super qualité, on peut travailler avec le matériel que l'on souhaite. C'est une illustratrice anglaise qui a commencé sa carrière en 1994. Elle travaille beaucoup avec l'Europe, l'Amérique. Et vous pouvez trouver des produits dérivés comme des figurines, calendriers, céramiques, cartes postales, en rapport en fait avec ses personnages. Je dirais que son monde est féerique, mystique. Vraiment à découvrir. Donc je vais vous présenter les livres un par un et j'espère vraiment qu'ils vous plairont.
présentation donc de ces livres avec les dessins qui les composent en détail est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que la découverte de cet artiste vous aura plu. On a pu constater donc que les dessins étaient en grayscale, un grayscale assez foncé. Alors ça plaît pas. Moi le grayscale ne me dérange pas. Le foncé d'habitude un petit peu plus. Mais là, je trouve que ça correspond très bien à son univers et du coup, ça ne me dérange pas. On a pu constater que chaque dessin est nommé à un titre. Donc, ça vous permet en fait de retrouver sur le net la colorisation originale de chaque dessin. Ça peut vous aider, vous donner de l'inspiration au moment de la colorisation. Comme par exemple, voilà, ici on a des exemples de la colorisation original derrière chaque livre, donc ça peut vous aider. Les livres donc papier cartonné donc top, carnet à spirale top. Vous êtes sur un format classique A4. Le premier livre sur les signes du zodiaque a 12 dessins, les autres livres une quinzaine de dessins. Je ne vous conseille pas pour trouver du coup cette illustratrice d'aller sur les sites Amazon étrangers ou Etsy. Cela vous coûterait beaucoup plus cher. Vous êtes à 20 euros le livre plus les frais de port, facile 30 euros par livre. Allez directement sur son site à elle, www.lindaravenscroft.com. Et là, alors les prix ne sont pas présentés en euros, donc je ne peux pas vous dire exactement le prix des livres et de la livraison. Mais moi, au total, pour les 6 livres, frais de port compris, j'en ai eu pour dans les 80 euros. Donc, bon, c'est une petite somme, hein, voilà. Mais pour 6 livres et par rapport à 30 euros le livre sur d'autres sites, ben, il n'y a pas photo. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette illustratrice a été une bonne découverte pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo. À, pourquoi pas, laisser un commentaire si elle vous plaît ou pas, le pourquoi. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt en vous souhaitant de bons moments colo.